les plus fortes et la plus respectueuse. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je sais que c'est parfois difficile de s'encourager tout seul. De rester comme ça et se dire, allez, ta vie peut changer. Bonjour Audrey. Donc, je fais cette vidéo parce que il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes des blessés de guerre. Vous avez des enfants. Certaines, c'est un enfant. Certaines, c'est deux. Certaines, trois. Et vous devez vous occuper d'eux. J'ai parlé avec une dame hier. Et là, elle m'expliquait comment elle a fait 15 ans en Europe sans ses enfants. Et elle a essayé toutes les procédures. Regroupement familial, ça c'est en partant de la France. L'ambassade dit même que donner les visas aux enfants, même comme ça, ça ne passe pas. Un jour, elle s'est levée, elle a pris le ticket, elle est partie au pays. Elle a dit, je ne vais pas chercher mes enfants. Il y avait tellement de blocages sur la réunion de ses enfants avec leur mère. Que quand elle arrive, elle prend ses enfants. Tu as toute sa famille qui se retourne contre elle. Ouais, tu crois que on allait prendre des enfants dans la sorcellerie. Tu arrives et tu fais comme si. Et par chance, elle s'est tapée juste 10 jours au pays. 10 jours. Elle a eu tous les documents. Elle a porté ses enfants. Elle est repartie. Elle arrive en Europe. Son mari se fâche que tu ne m'as pas dit que tu partais par les enfants. Il a quitté pas. Il a laissé avec 2 enfants de moins de 4 ans à la maison. Le premier devait avoir 3 ans, le deuxième devait avoir 1 an. Qu'elle a eu avec l'homme. Il part. Est-ce que tu portes alors tes enfants, tu peux encore les remettre au pays? Elle expliquait à son mari que je devenais folle sans les enfants. Maintenant, quand tu as celui qui sur qui tu comptais, tu croyais que j'allais construire quelque chose avec lui. Il porte ses pieds pas. Tu restes seul. Comment te réinventer? Peut-être tu as porté tout ton argent, tu as mis dans un business avec le père de tes enfants. Ça a marché, t'as ruiné les parties. Désolé les hommes, je vais parler aux femmes aujourd'hui. Tu vas seulement mettre il là où je vais dire elle. Tu l'as compris, non? J'ai parlé à la deuxième. Elle me dit que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire à ma queen. Elle a 39 ans. Elle revient de très loin. Parfaitement bilingue. Elle parle bien les deux langues. Très jolie. Elle vient en France avec son enfant.
Et le père de cet enfant-là, un peu. Tu vois, quand un homme te fait sentir comme si tu as de la chance d'être avec lui. Et quand il te rencontre, tu es ambitieuse, tu as des choses que tu veux faire. Une à une, il descend ces choses. Tchakak, il dépose. Tchakak, tchak, il dépose au sol. Tu abandonnes. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Après, c'est l'ombre de toi qui le quitte. Parce que dans toi-même, tu n'as même plus la force. Parfois même, c'est dans le trou du goût, dans le gouffre où tu es. Un jour, tu cries à Dieu que Seigneur, délivre-moi de cet homme. L'homme a porté ces choses 2 semaines après, il part. Tu ne sais pas que c'est ta délivrance là-bas. Bonjour, fan club de Gift Digger. Bonjour, Vanessa. Bonjour, Otto. Si là, ça arrive seulement tout le monde là. Ne vous plaignez pas seulement. Il y a encore une autre. C'est son anniversaire encore aujourd'hui. Le mari l'a laissé. Avec quatre enfants. Je crois qu'elle doit avoir 40 ans aujourd'hui. Belle. Où vous la, vous n'êtes jamais laide. C'est ça qui me gagne. Belle. Elle avait fait des études, elle était dans le corps de la médecine quand elle était au pays. Donc, ce n'est pas une illettrée. Lui-même, il avait une autre fonction là. Quand les choses ont tourné la tête du Joe, oh, il a perdu le boulot qu'il avait. Il porte la femme, il la met dans l'avion, il dit qu'avance-toi, j'arrive. Il l'envoie en France. Il envoie la femme en France avec les enfants. Il n'est jamais arrivé. Il envoie avec moins de 1000 euros sur elle. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Elle a d'abord pleuré, fini de pleurer. Tu vois toutes les phases que tu traverses là. Après, regarde les enfants au soleil, dit que, ah, puis là, je vais mourir seulement. Si elle meurt, les enfants, ils vont faire comment? Et vous connaissez que quand la chose là commence dans la tête de l'homme, vraiment, si un homme écoute ceci, je n'indexe pas les hommes. Je ne veux même pas, je veux pas parler à deux personnes aujourd'hui, je veux parler aux femmes. Quand l'homme veut t'oublier, tes enfants deviennent tes enfants. Bonjour TikTok. Elle me dit, elle demandait l'asile. Elle a jonglé les hôtels. Tu sais qu'en France, au moment quand tu es pas, au début, quand tu n'es pas logé, quand tu n'as pas d'endroit pour vivre. Chaque jour, tu dois appeler pour voir si le 115 va te donner un endroit pour dormir. Elle s'est tapée les hôtels comme ça. Souvent, elle arrive même quelque part, on dit que tu as trop d'enfants, on la chasse. Là, voilà. Après, quand elle s'est assise dans un centre comme ça avec les enfants, on lui a un peu donné la stabilité comme ça. Elle a commencé à apprendre autre chose. Sans papier dans un pays européen et que tu as tes papiers au Cam, que tu as ton diplôme au Cameroun, tu sais que tu ne peux rien faire. Là, voilà, on t'est traîné comme tout le monde. Comme. Quand c'est comme ça, quel que soit le boulot que tu trouves, tu fais ça maintenant. Elle est tombée sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à apprendre à fabriquer des choses. Commencé à mettre en ligne. Et la période où elle m'a contacté pour la première fois, ça fait 1 mois. Elle était découragée jusqu'à donc. Elle est arrivée à un degré où
Elle ne comprenait plus. Que vraiment, je fais même tout ça pourquoi? Je vous dis que vous serez frappé. Ça va commencer dans ta tête. Dans ta tête. Pourquoi elle fait même tout ça? Voilà l'année qui est en train de finir. Tout ce que tu avais prévu pour le début d'année, tu regardes octobre en train de finir, tu dis, ah, je pars même où? Peut-être tu tombes sur ma vidéo, tu vas commencer seulement par le lavage au sel. Donc, ma femme, c'est là, elle me dit que je n'ai pas de maison, mes enfants et moi, on dort sur le canapé de quelqu'un, vraiment, je n'ai rien. Oui, ma chérie. Mets seulement le sel dans l'eau d'abord le matin. Lave-toi. Le soir, lave-toi. Pour commencer. Parce que tu es en train de commencer à te construire. Ce qui t'a troublé dans le passé, c'était l'instabilité. Tu commençais, dès que ça va un peu, quelqu'un vient te déstabiliser. Bonjour, monsieur Patrick. Et ces personnes, généralement, sont envoyées. Je ne vais même plus dire par le diable. C'est pour te tester, c'est tout. Son entreprise de cosmétiques, comment elle a appris à faire les produits, le savon à la maison là? Est-ce qu'elle est vraiment sérieuse avec ça? Tu tombes sur un gars qui a déjà l'argent. Tu vois que vous construisez une entreprise là, ils te font comme une 3 ans. Tu vois le gars, il te dit qu'il a l'argent. Viens bébé, viens. Tu regardes tes savons. Tu regardes le gars. Il a déjà la voiture. Je vais vivre chez lui. Et pas te voilà, tu laisses. Tu vendais même quand même seulement le savon de 200 euros par semaine. Souvent, ils t'abandonnent avec la grossesse. Tu passes tes journées au lit seulement à pleurer, à dormir. Je ne connais pas quoi on passe, mesdames, je connais. Je ne dis pas que c'est facile. Parfois, on reste à terre parce qu'on n'a pas quelqu'un qui va nous bouger. Parce qu'on ne sait même pas que c'est possible. Parce qu'on ne... Donc, tu es tellement resté au fond que tu te dis, peut-être que le fond va devenir le matelas, je vais me coucher, je vais dormir, je vais me mourir ici. Même si tu dois programmer quelque chose 50 fois, programme la chose 50 fois. Première fois, ça a échoué. OK. Deuxième fois, ça a échoué. OK. Troisième fois, ça a échoué. OK. Cinquième fois, ça a échoué. Dixième fois, ça a échoué. OK. Ma chérie! Reprends. Oui, 50 fois. Votre problème, c'est que vous abandonnez trop vite. OK. Voilà, j'ai mon cahier de mes projets. Voilà. J'ai écrit ça, ça fait 3-4 semaines. Voilà. C'est ça là. 6 mois plus tard, tu n'as rien fait de tout ce que tu as écrit là-bas. C'est ce que tu vas faire, ma chérie. Pas encore, tu reprends les projets là, tu t'assois devant, tu regardes. OK, j'avais laissé ça où? Ah, j'avais laissé ça, d'accord, ok, ici. Prends encore le bic. Écris encore. Je vais avoir ma propre voiture d'une valeur de 15 millions d'ici juin 2023. J'aurai ma propre maison d'une valeur de 45 millions d'ici octobre 2023. J'ai mon entreprise qui est prospère et je suis indépendante financièrement. Écoutez, vous êtes dans un combat, c'est le combat de votre vie. C'est le combat de ta vie, ma chérie. Je ne peux pas battre ton combat là. I'm sorry. Moi-même, j'ai ma part. Vous savez combien de projets j'ai écrits qui n'ont pas marché? Vous savez combien de conférences j'ai lancées? La veille, je me suis découragée. Ah non, vous ne pouvez pas savoir.
Et je me suis rendu compte que dans le tas, in the middle of all this, je reste, je regarde, je dis, j'avais écrit ça en 2016. Je suis déjà en train de vivre ça. C'est ça même réalisé, je ne me suis pas rendu compte. Waouh! J'ai écrit ça en 2000. J'ai des choses que j'ai écrites en 2021. Mai 2021. J'ai écrit. Après, je reste comme ça là. Novembre 2000. Non, pas novembre. Septembre 2022. Je reste comme ça. Je fouille mes papiers. Je tombe sur un papier. Je dis, waouh! Une chose sur 20 que j'avais écrit, ça s'est réalisé. Vous ne connaissez pas la montagne qui est contre vous. Mais si Dieu a mis un truc dans ton cœur, ça veut dire que tu as la capacité. Dans toi, il y a une petite femme qui a besoin de grandir. Elle a besoin de grandir. She needs to grow. She needs you. Parfois, je reste et je me dis, même si elle ne serait pas milliardaire en euros, je suis convaincue que ma fille ou l'enfant de ma fille sera milliardaire. Parce que ce que j'ai rêvé sur l'enfant, mes petits-enfants et mes enfants, ma mère n'a jamais rêvé ça sur moi. Peut-être que je suis en train de réaliser tous les rêves que j'ai eus pour ma vie. Parce que ma mère n'avait jamais rêvé pour moi. Ni ma grand-mère. Supposons si un rêve prend 20 ans pour se réaliser. Tu rêves aujourd'hui et c'est dans 20 ans que ta fille réalise. Et que ce que tu as rêvé, ça fait 10 ans, tu es en train de réaliser aujourd'hui. Pourquoi ne pas aller redessiner encore d'autres choses? Pourquoi ne pas créer le futur de tes enfants et de tes petits-enfants? Quand l'enfant a 2 mois, pendant que tu le laves, tu dis, oh, tu seras la plus grande actrice d'Hollywood. Oh là là, tu auras des immeubles sur Wall Street. Il y a des choses que nous, on n'a jamais dit sur nous. C'est maintenant que tu apprends que tu peux... Ma mère, en tout cas, ma mère ne notait aucun truc. Hein. Écris les projets, ma mère. Ah, pardon. Ma mère, elle avait la vente emportée. Bonjour Teddy. Merci pour le cadeau. Ma mère avait la vente et le restaurant. Ma mère ne connaissait pas les trucs de projet, d'objectifs, de rêves. Non. Tout ce qu'elle savait, c'est que elle voit un truc qui veut. Oh, voilà l'espace. Je peux ouvrir le restaurant là-bas. D'accord. C'est combien? Elle paye. Demain, tu la vois là-bas à 6 ans en train de préparer le bouillon de pâte de bœuf. Elle avait le restaurant à l'auberge, à Bafoussam. Quand j'ai eu 22 ans, j'ai commencé à me dire, je peux inspirer les gens. Peut-être vous pensez que de 22 ans à 35 ans aujourd'hui, là, je suis restée comme ça, là, c'est venu, like, Dieu a dit, take it. Just take it. Non, il y a eu des étapes. Beaucoup de découragement. Peut-être tu as dû écouter, tu as dû rentrer chez tes parents parce que tu n'avais même plus l'argent. Mais tu as les grands projets dans ton cœur. Tu as déjà écrit, tu as lancé. Voyez vos projets et vos rêves comme des fusées que vous lancez. Like rockets. Rockets like launching into the space. Le fait que tu dises seulement que je vais devenir la première femme, premier ministre. I am. Or I will be. Tu ne connais pas combien de choses tu es en train de secouer dans les fondations de ta famille. Quand on parle de briser les malédictions générationnelles, c'est qu'il y a des blocages qui sont dans ta famille depuis des générations.
Et tu es en train de te battre. Tu ne connais même pas qu'il y a au moins 5 démons. Quand tu soulèves un peu la tête comme ça, là, il dit, ah, la fille n'a pas où. Et quoi. Te voilà en bagarre. Tu prends le don, le donne-moi tout, tu mets sur la langue. Vous avez parlé de donne-moi tout, non? Il y a les produits spirituels qu'on utilise. Tu prends ton sel de couleur, tu mets dans l'eau. Par exemple, voici un kit ici, là. Je ne fais pas trop la pub, c'est les produits. Là, c'est le kit de déblocage plus, par exemple. Vous voyez qu'il y a des couleurs de sel dedans. Il y a le donne-moi tout dedans. Il y a des encens, il y a le parfum sorcellerie. Donc, tu prends le donne-moi tout, tu mets sur ta langue. Te voilà dans la douche. Au nom de Jésus. Toute malédiction sur moi, sur mes enfants, j'enlève au nom de Jésus. En te lavant, tu parles. Imagine ce que ça fait à ton esprit. Que 365 jours, tu te bénis et tu prononces les bonnes paroles sur ton corps. Écoutez, même si il y a n'importe quelle malédiction sur toi, ça va tomber. Au niveau du Gabon, on est à Saint-Germain, à Libreville. Ça, ce qui est au Gabon, c'est 70 000. Au Cameroun, c'est 55 000. Ça, c'est des blocages. Il y a le kit fondation pour briser les malédictions générationnelles. Il y a le kit célébrité. J'avais même oublié ce kit. Ce matin, il y a une là qui m'écrit. Elle me dit, wow, on la prend pour une star. En Côte d'Ivoire, c'est 70 000. On la prend pour une star. Les numéros sont sur la page. Donc, je vous donne les numéros. Pour ceux de TikTok, j'aurais même dû noter tout ça. Donc, je vous donne les numéros. Prenez de quoi noter, je vais vous donner le numéro dans quelques instants. Écoutez, ta mère est tombée, elle est découragée. C'est pour ça que ta mère te dit du coup, tu as trop les grandes ambitions. Écoutez, il y a la différence entre l'estime de soi que tu ajoutes avec des produits physiques. J'ai fait le développement personnel, j'ai fait le blabla. J'ai déclaré simplement. Mais l'affaire de celle-ci. Oh, Jesus. I wish. Si quelqu'un m'avait montré ça il y a 15 ans ou 20 ans. Bonjour, la reine Oferta. Merci. Si on m'avait parlé du sel quand j'étais encore plus jeune. Vous savez, quand on donne la vérité à moitié, quand j'ai commencé à utiliser le sel moi-même, moi, comment ma vie a changé? Il y a le sel, c'est le sel arc-en-ciel. Oh Seigneur, ne blaguez pas. Le numéro du Gabon, je l'ai en tête quand même. Donc, le numéro du Gabon, c'est le 0741. Ce n'est pas 077. 07, 0, donc 074, 18, 0080. Le sel arc-en-ciel. Certains parmi vous, il y a votre gloire, votre lumière qui n'est plus. Tu es l'ombre de toi. Tu prends le truc avec le sel à cancer, c'est que ça a plusieurs spectres. Quand vous regardez le truc des chakras, par exemple, il y a le violet, le rouge, il y a plusieurs couleurs. Le jaune, le rose, je ne connais pas trop toutes les couleurs. Il y a quelque chose dans le spirituel qui se passe quand tu mets toutes ces couleurs ensemble. Tu parles dessus. Après, tu prends, tu verses sur toi. Vanessa, quand tu dis que si tu m'avais connu il y a 10 ans, tu serais loin là. Il y a les choses que si j'avais connues, les produits spirituels, si. Ça fait seulement un an et demi que moi, j'utilise les produits spirituels. Je vous dis. J'ai passé 12 ans de blocage en Europe. Je suis arrivé au pays, j'ai fait un an et demi de blocage encore pour mettre au-dessus. J'étais très fermé à la spiritualité africaine parce que je pensais que Zana, si tu ne comprends pas, il n'y a pas de souci. Tu peux cliquer la clé, tu sors. Tu as compris, Zana?
Consultation au Cameroun, c'est 33 800. Je suis restée comme ça. Je faisais le développement personnel. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je fais tout. Je jeûne. Je fais. Après, je vois qu'il manque toujours quelque chose. J'ai rencontré un guide. Je vais vous donner le numéro dans 2 minutes. Il prend. Les selles seulement, il me dit. Il me regarde comme ça. Il dit, ouh, tes chakras sont bloqués, ma chérie. Je dis, hein, les chakras, c'est quoi? Il me dit, tes chakras sont bloqués, ma chérie. Il faut que tu ouvres, tu vas ouvrir. Le chakra, quand on te regarde comme ça, là, si tu demandes l'argent, ça vient, ça coule. Je dis que quoi? Il dit que tu dois te laver avec le sel là même pendant un an. Quand il a dit un an comme ça, là, j'ai dit, hein. Fallait me voir après 2 mois de lavage au sel. Vous n'aimez pas la vérité sur les réseaux sociaux, hein. Et les gens ne donnent même pas la vérité ici. Non, 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 les gens ne donnent pas la vérité. Voilà, 39 ans célibataire, sans enfant, pas d'homme. La consultation au Gabon, c'est 40 000. C'est l'une de mes filles qui a 39 ans aujourd'hui, là. Elle me dit, maman, je veux faire le deuxième enfant, parce que mon premier enfant a moins de 10 ans, je veux faire le deuxième. Il n'est pas d'homme. Je dis, maman, tu brilles comme tu es, belle comme tu es là. Je lui dis, c'est quoi? Prends le bic. Moi, je fais ça à mon anniversaire et à Noël. Je vous conseillerais même de faire ça chaque mois. Écris ce que tu veux. Sur ma page, je vous ai parlé des libations. Prends une bouteille de whisky tous les mois. Ça ne va te coûter que 8 000 francs maximum. 3, 4 000, 5 000. Consultation Côte d'Ivoire, 40 000. Bah, tu verses au sol. Tu dis que je parle aux ancêtres de cette terre. Tu es à Washington, on va parler. Il y a les gens sur, il y a les ancêtres à Washington. Tu es à Abidjan, on va parler. Que ce soit ta terre natale ou pas, verse là-bas, tu parles. Parce que quand on vous parle, je vais faire. Ce matin, j'ai rencontré 3 femmes. Ah, tic-tac, j'étais tout sur tic-tac. Il dit, tu fais alors ce qu'il dit. Eh, tu sais, ça va vous servir à quoi d'écouter? Vous connaissez combien de pages où on vous dit les choses que je vous dis là? Combien sur le net? Hein? On est parti en ligne. On fait les distractions. Tu vas rire. Tu finis de rire. Même internet que tu viens d'utiliser pour payer ta connexion, pour voir là, ton argent est fini. Bon, je vous donne les numéros. Facebook, attendez un peu. Numéro pour le Gabon. 074-18-00-80. Pour Douala ou bien tous les autres pays, même la France. Vous nous contactez à ce numéro. 237-680-71-07-01. Donc 237-680-71-07-01. Pour le Gabon, vous devez attendre que je finisse le direct avant d'appeler. Dans l'autre numéro du Cameroun, c'est le 237-693-50-22-66. Donc 693-50-22-66. Donc voilà une personne qui dit Anna, alors lavage au sel, je confirme. Je l'ai fait en allant au job et arrivé, tout le monde était ébloui. Si seulement vous pouviez faire ça constamment, ce serait bien. Le sel arc-en-ciel. Lavez-vous au sel quotidiennement. Ne passe pas une journée sans mettre le sel sur ta peau. Ne le fais pas. Le numéro de la Côte d'Ivoire, 225-05-01-49-05-95. Maintenant, vous devez...
J'insiste beaucoup pour écrire ce que tu désires. Donc, là, celle de 39 ans, là, je lui disais, ma chérie, ma vie a tellement changé en l'espace de 14 mois. Tellement. Et je connais que il y a quelque chose que je fais tout le temps. J'écris. J'écris ce que je veux. Le quai de déblocage, il y a le petit kit, c'est 25 000 au Cameroun, 30 000 au Gabon. Le grand kit, c'est 55 000 au Cameroun. Et au Gabon, c'est 70 000. Quand tu écris ce que tu désires, tu es en train de donner un ordre, un commandement à ton subconscient. Et quand tu es en train d'écrire ce que tu désires, n'aie pas peur. Ne dis pas que ah, tu es à 39 ans. Est-ce qu'à 39 ans, on conçoit encore? Il y a des gens qui accouchent à 45 ans, ma chérie. Il y a des gens que tu avais le mauvais gars. Vous faites 5 ans. De 38 ans à 43 ans. Pas d'enfant. Et pour les gens qui veulent concevoir, là, il y a le thé de désenvoûtement. J'ai tellement de témoignages sur les gens qui ont conçu avec ça. Ce thé est dans le kit de déblocage plus. Ce kit de déblocage plus plus. Mais je vous conseille de le prendre de façon que vous pouvez boire ça au quotidien. Donc, tu peux acheter juste le thé. Le thé au Cameroun, c'est 10 000. En Côte d'Ivoire et au Gabon, c'est 12 000. Laissez les affaires de... Oh, Seigneur, vous êtes tellement sur les détails. On va dire de se laver avec le sel. Tu ne vas pas te laver parce que tu dis que tu ne sais pas à quelle heure se laver. Une autre personne va entendre. Il y a une femme qui m'a écrit, qui a suivi mon direct une fois. Elle a écouté le direct vers 11h. Elle est partie se laver avec le sel à 12 ou 13h. À 14h de ce jour-là, on l'a appelée. Le lendemain, elle me recontacte à 16h parce qu'elle voulait payer la consultation. Elle dit que j'ai seulement envoyé l'argent à 16h parce que hier, on m'a appelé, on m'a dit je viens travailler aujourd'hui. Jusqu'à je me suis levé le matin à 7h, je suis parti travailler et j'ai fini à 15h. Donc, il y a Kim qui dit, je voulais te dire merci car depuis que je te suis, il y a un changement dans ma vie. Tu sais, Kim, je ne veux pas qu'il y ait seulement le changement. Je veux que ce soit un changement tangible. Que les gens te voient comme ça, ils sont énervés. Mais comment la fille a pu avoir le genre de gars si? Ça fait 8 ans qu'elle n'a pas accouché. Comment elle se marie avec lui, elle accouche subitement? Mais elle a 43 ans, non? C'est le genre de colère là qu'elle veut que les gens aient sur vous. Prends le don. Il y en a parmi vous que le don et vous, vous êtes derrière. Donc, tu dors avec le don sur ton oreille. Le matin, tu mets sa main dans la bouche, tu marches. Parce que dans cette affaire-ci, là, non seulement tu seras acharné quand tu vas aller vendre tes produits dans ton business, mais même du côté personnel, où il faut se lever, faire les déclarations, tu ne blagues pas. Voilà, au fait, à qui dit qu'elle se lave deux fois dans la journée. Voilà. Ceci parce que vous êtes paresseux. Voilà, donc il y a une entité qui gère ma famille. Comment faire? On te dit comment faire. Tu viens encore dire comment faire. Parce que vous attendez des choses qui sont grandes, compliquées. Tu veux qu'on te fasse prendre le crédit à la banque pour venir te délivrer. Que c'est le traitement de 5 millions. Tu dis, Je parle du sel ici-là, je prêche le sel ici-là depuis. Une entité qui gère ma famille. Laisse que ça vous gère. Le don, c'est le piment de Guinée. Il y en a parmi vous qu'on vous avait déjà enterré. Oh là là. Qu'on a mis un esprit de pauvreté dans ton subconscient. Tu te laves sa part. Et si tu regardes bien, il y a les périodes de ta vie. Tu restes comme ça, tu sens comment tu sens comment l'argent est là, ça vient déjà.
Tu sens comment l'argent vient. Après, ça passe seul, comme bien. Comme c'est parti, est-ce que tu vas laisser? Tu te lèves encore le matin. Tu repars. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Que le tout, si ça va marcher. Le gars là va venir me voir, il va me fiancer, il va m'épouser. Après, il va faire mes papiers, il va me prendre, on va partir. Pas l'affaire que tu faisais en route, ça s'arrêtait. Après, on te chasse même encore, parce que tu as peur. Que, yeah, je vous ai même fait quoi, non? Et quand il te voit, il est ébloui. Parce que chacun d'entre vous a d'abord une gloire au départ. Maintenant, l'ennemi vient mettre sa part dedans. Quand ta mère ne t'a pas appris, toutes ces choses-là, c'est petit, petit, ça paraît petit, c'est vrai. J'ai vu un jour un monsieur ici là, à Libreville, il me dit, quand j'écoute tes vidéos, tu parles du pipi, je me rappelle, ma tante, je vivais chez ma tante et mon oncle. Chaque matin, il faisait le lavage au pipi. Mais nous, les neveux, ils ne nous ont jamais montré. Et ils faisaient avec leurs enfants. Je lui demande qu'aujourd'hui les enfants sont où? Non, ils sont dans des bureaux. Ils sont. Et toi, tu es où? Bon, non, c'est des femmes. Bon, est-ce que tu te laves à l'eau pipi aujourd'hui? Non, tu sais. Je dis que tu es bête. Moi que vous voyez, c'est. Oh Seigneur. C'est un parce qu'il faut faire pour vous. Hein. Il faut vous taper où? Ou il faut qu'on fasse l'application que quand tu tiens le téléphone dans ta main, ça, le téléphone te gifle seul. Je ne sais même pas. Radition, tu dis que tu t'abonnes. Les gens n'aiment pas quand on parle, on dit la vérité. Les gens n'aiment pas. C'est pour ça que moi, dis-moi seulement ma chose. Ça ne te plaît pas, tu te désabonnes. Je vous apprends tout sur la page ici. Les principes spirituels pour avancer. Je vous dis toujours qu'un mois ne passe pas sans que tu n'aies sorti quelque chose pour donner. Que ce soit un orphelin ou le salaka. Les libations, tu prends le truc, tu verses, tu parles. Même aller à l'eau. Tu fais ça, tu mets ton chapelet, tu fais le chapelet, tu récites ton chapelet, tu demandes la présence de la Vierge Marie dans toutes tes affaires. Il y a le kit attraction. Les femmes là que, à la maison, ton B n'entend même pas ce que tu dis là. C'est quelqu'un d'autre qui commande B. Kit attraction. Ceux qui ont le commerce, prenez le kit commerce. Moi, je vous dis toujours que si tu m'écoutes, tu n'as pas l'argent pour acheter mes produits, ne te dérange pas. Lave-toi avec ton sel et ton pipi. Ton propre pipi. Le pipi, on ne vend pas le pipi. Non. Quand tu te lèves le matin, c'est gratuit, c'est dans ton corps. Tu vas voir au moins tes choses vont s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, c'est décanter seul. 1, 2, 3. Et. Donc, je peux aussi rester comme ça. Là, je respire. Maintenant, quand l'argent commence à venir, prends l'argent pour aller faire ton travail spirituel. Parce que parfois, tu n'as pas l'argent pour faire le travail spirituel. Quand l'argent vient, tu penses qu'il faut que tu puisses déposer l'argent à tel endroit. Les gens qui savent de quoi je parle savent que pour ton travail spirituel, tu ne blagues, tu ne dois pas blaguer. Bonjour Kelly. Donc, il y a le kit pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous donner le numéro tout à l'heure. Côte d'Ivoire 225-05-01-49-05-95. Donc plus 225-05-01-49.
0595. Le kit commerce en Côte d'Ivoire, c'est 80 000, je pense. Au Cameroun, c'est 65 000. Bon, au Burkina Faso, on va seulement poster, ma chérie. Le lavage du pipi, c'est sur la page TikTok. Le numéro du Gabon, c'est le 0741. Bon, 074 pour le Gabon. 074 18 0080. Attraction en Côte d'Ivoire, c'est 35 000. Prenez attraction, vous prenez le thé de désenvoûtement avec. Si vous voulez commander des produits en France, écrivez au Cameroun. 00237. 680-71-0701. Kit d'attraction au Cameroun, c'est 30 000. Dans tout ce que je vous donne, je ne sais pas toujours mes produits. Toujours, quelqu'un peut me regarder, il ne vient pas acheter mes produits. Maintenant, tu décides de prendre ton sel, tu te laves avec. Tu décides de prendre ton pipi, tu te laves avec. Quand on fait les kits après le bain du matin, on peut aller au sport. Oui, tu vas au sport, tu reviens. Quand tu finis ton sport, tu te laves encore avec le sel. Benoît, les astuces ont payé, hein. C'est bon ça. Si ça a payé, c'est bon. Pour la réussite des enfants à l'école, il y a le kit examen. On a des thés qui doivent boire là-dedans. Il y a aussi un parfum, je pense. Parfum examen pour les enfants. Voilà, Fortune qui dit chez moi, les astuces ont payé. Pendant les menstrues, on ne se lave pas avec le sel. Pour la France, vous contactez le 00237 680-71-0701. On peut aussi faire les lavages à distance. Ceux qui veulent les lavages, il y a les offrandes à l'eau qu'on fait. À part les kits, tu peux décider qu'on te fasse un lavage pour le déblocage. Peut-être tu vas aller demander ton visa dans une semaine. Tu peux faire un lavage à distance. Pour ouvrir tes portes. Tu as fait le permis de conduire 5 fois. Ça va en aller encore faire. Fais un travail sur toi. Parfait. Depuis que tu fais le bain de pipi, tu es en confiance. On peut poster en Guinée équatoriale. On va seulement te poster. Lavage du sel pipi avec le romarin, le goût de ça. Tu vas bientôt prendre le kit d'attraction à Benoît. C'est super. Au Cameroun, nous sommes à Makepe. Le lavage à distance, c'est 56 euros. Nadège, si tu as des relations qui n'aboutissent pas au mariage, prends d'abord le kit fondation. Et tu prends le kit attraction. Parce que quand ta relation aboutit pour mariage, ça c'est les blocages familiaux. Le blocage de la famille qui te bloque, mamie. Ce n'est même pas la bonne gars là. Il faut d'abord que tu deals avec tes fondations. Ma képé, c'est derrière Paja Center. Vous connaissez Paja Center? À Makepe. Nous sommes derrière Paja Center au lycée. Pour avoir le travail, lave-toi d'abord avec du sel et du pipi. Vraiment.
Quand on vous dit la base, vous ne voulez pas. Whitney, j'ai dit que tu te laves avec le sel pendant les menstrues. Si tu veux savoir pourquoi, je ne sais pas. Je ne vais pas aller dans les longues explications. Si tu veux te laver pendant le temps, lave-toi avec. Pardon. Il a expliqué ça sur ma page ici. Ne me donnez pas les mots, n'était pas là. Rokia, quand ton divorce ne marche, depuis le divorce, rien ne marche. Tu as sûrement les liens d'âme avec ton ex-mari. Ou bien les esprits qui ont fait que vous vous séparez là. Il faut aussi compter si c'était la bonne personne. Parfois, tu te sépares de ton ex-mari. Tout ça, c'est peut-être sa famille qui t'a bloqué. Parfois, c'est ta propre famille qui a gâté tes choses. Parfois, ce n'était pas la bonne personne. Et Dieu t'a même seulement délivré en te séparant de lui. Donc, il y a toutes ces choses-là. Mais quand tu te sépares de quelqu'un, tu dois faire même une purification pendant même 7 jours. Ok. Donc, page à Sainte 00237-680-71-0701. Donc, 637-71-0701. Voilà. Le titre de Jésus est bloqué. Linda, quand tu vas finir avec ton truc, il faut... Avant d'aller à la police des frontières, tu devais au moins faire au moins un lavage, on vous dit... Si tu as une boisson, achète une boisson, tu verses au sol là-bas comme tu es là, avant d'entrer là-bas. Fais une libation. Vous ne connaissez pas engager les esprits. Hein? Les esprits travaillent pour vous. Mais quand tu ne connais pas, tu souffres. Quand je parle des esprits, tu as tes ancêtres, tu as tes anges. Certains d'entre vous ne connaissez pas comment activer vos anges. Tu as la Vierge Marie, tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus-Christ lui-même. Donc c'est comme si on t'a donné tous les outils. Voilà tous les couteaux sur la table. Tu es là, tu prends la viande, tu essaies de couper avec tes doigts, tu tires comme ça, là, tu tires. On dit, prends un couteau, coupe avec. Bon, les chrétiens endurcis, là, ne venez même pas, ne commencez pas avec vos commentaires ici, là, ça ne va pas aller. C'est celle qui dit qu'elle est devant l'office de l'immigration, là. Cherche à acheter une boisson là-bas, un jus de préférence. Une bouteille, tu prends ça, tu verses au sol, ça doit toucher la terre. Et tu parles. C'est déjà trop tard. C'est un peu, il y a un peu moyen que te dise que tu m'envoies ta photo pour que je te fasse un travail sur toi. Celle qui au travail n'arrive pas à partir malgré les manquants. C'est un travail qui bloque les gens. Il y a les gens qui. Il y a les patrons qui ne sont pas très clairs et ils t'attachent dans son lieu de service. Les kits sont disponibles en Allemagne, oui. Tu écris au Cameroun, tu demandes le numéro de la dame d'Allemagne. On va te donner son numéro. Noëlla, si tu seras à la journée d'orientation, vas-y, ouais, Seigneur. Pourquoi venir me trouver quelque part, tu dis que tu viens pour me voir. Il faut partir. Et il faut faire ton don. N'est pas à Paris, tu ne donnes pas la langue, ça, je ne veux pas. Il faut faire, appel là-bas, tu fais ton tapas de don. Donc, le numéro du Cameroun, 680-71-0701. Vous écrivez 00237-680-71-0701. La personne qui a l'interview dans une semaine là. Faites ton lavage au pipi pour les 7 jours qui arrivent. Faites d'abord ça. Je ne sais pas en quel. Tu savais que tu es sûrement en Europe. C'est que je te demande. Je t'aurais demandé de prendre le donne-moi tout. Tu ajoutes ça sur ta langue. Tu achètes le don, le piment de Guinée. Et hier, j'avais le témoignage d'une dame qui me parlait des dates. Son titre de séjour était bloqué. On a imprimé son titre le 10 octobre. On l'a appelé le 11 octobre pour lui dire. Et dans cette déclaration, il disait que j'obtiens mon titre de séjour d'ici le 10 octobre. Il y avait encore quoi? Il y a un deal là qu'elle était elle attendait depuis au moins 6 mois ou un an. Elle faisait que du 10 octobre. Donc, je crois que le 5 ou le 7 octobre, ils ont confirmé le deal. Donc, c'est ça que je vous donne toute l'importance d'écrire ce que vous désirez. Donc, Laetitia, il y a le kit examen. Vous ne pouvez pas être du kit examen. Ou si tu dois traverser l'eau, alors tu dois faire un traitement ouverture de porte, attirance et de blocage. Oui. Quand on vous dit comme ça, vous ne faites même pas.
Est-ce que je te lave même d'abord avec le sel? Toi qui dis que tu veux traverser l'eau du Maroc là. Si tu es bloqué devant un endroit et que tu as la possibilité de faire la libation à 5 heures, tu fais à 5 heures. Tu as la possibilité de faire à 7 heures, tu fais à 7 heures. Il voit que vous vous limitez trop avec les heures. Supposons que tu es dans un centre fermé. On te laisse sortir seulement de 8 heures à 10 heures. Si c'est à l'heure là que tu peux faire ta libation, tu fais à l'heure là. Donc pour la personne qui est au Maroc, qui dit qu'il veut traverser là, tu dois aller à l'eau. Tu dois parler aux esprits de l'eau là que tu veux traverser. Donc tu dois faire une libation d'abord sur la terre là où tu es. Parce que généralement quand vous arrivez dans ces pays là, vous êtes très hostile à la terre. Vous ne les aimez pas, vous parlez mal des gens là où, du pays que vous habitez. Ceux qui sont en Turquie, ceux qui sont en Libye, ceux qui sont au Maroc. Vous les détestez mal à la limite. Même si vous traitent mal. Bénissez la terre là où vous êtes. Quand vous êtes en train de verser, si c'est le vin rouge, c'est le whisky, remerciez-les de vous avoir accueilli. Demandez-leur maintenant de vous donner la grâce, de vous accorder de traverser partie. Maintenant, si tu veux que tu vas traverser l'eau, tu dois tout faire pour aller faire une offrande dans cette eau que tu veux traverser. Je vous demande de dépenser votre argent parce que vous aimez trop le njor. Donc tu vas acheter les poutons, tu vas partir, tu vas verser. Vous aimez trop le gratuit. Parfois, vous avez tellement consulté les gens au pays. Vous ne savez pas que vous-même là, il suffit que tu te lèves, tu prends tout ton cœur. Tu mets, tu pars, tu parles. Tu verses une bouteille de vin rouge comme ça au sol. Tu verses, tu parles. Celle qui est enceinte là, qui dit qu'on la poursuit, est-ce que tu te laves avec le sel? Souvent, en dormant, je dois verser le sel autour de ton lit. Tu mets le chapelet sur ton cou. Et tu fais tes genoux, salut Marie, avant de dormir. L'autre dit que c'est d'abord un film pour arriver au bord de l'eau. Si c'est le film, c'est que tu dois faire ça. Demande ailleurs. Vous demandez à une autre personne, à quelqu'un qui est ailleurs, de te faire ça. Dans une autre eau. Si tu n'as pas l'accès à l'eau là. Tu parlais maintenant d'un autre coin de la ville où on a accès à l'eau là. Parce que l'eau coule, non. L'eau n'est pas sur un endroit seul. Le truc avec vous, c'est que vous êtes trop bloqué. Vous ne trouvez pas un moyen. Vous êtes toujours bloqué dans votre tête. Et vous attendez toujours qu'on fasse tout pour vous. Vous devez être courageux. Je ne vous demande pas d'aller tuer les policiers, mais quand on te dit peut-être que tu dois chercher au moins pour peut-être faire une prière aux ancêtres, tu demandes même au village, dans ton village à Badjoun ou bien à Baganté, tu demandes que là-bas on donne le vin, l'huile rouge au maire du village, à ton nom. À la plage, tu n'as pas l'eau. Ne m'embêtez pas. Je te lave, pardon. Pour la dîme, tu avais fait quoi au juste? Un exemple. Ou si ta bailleresse ne te salue plus, ben tu as déjà ta réponse, non? Ceux qui ont fait les passeports, il y a beaucoup de vos documents qui sont bloqués. Faites les tridômes. Tu peux faire 3 jours de jeûne. Si tu peux faire le genre de jeûne que tu ne manges pas, tu bois seulement de l'eau. À ça, tu ajoutes ton pipi. Et pendant ce jeûne-là, tu fais ton chapelet tous les jours. Il y a aussi Marie qui défait les nœuds. Tu ajoutes ça à ton bain que tu fais, la Marie qui défait les nœuds.
Et quand tu finis ton jeûne de 3 jours là, tu fais un don, soit dans un orphelinat, soit tu donnes quelque chose à quelqu'un. Ton poulailler ne marche pas. Tu dois acheter le. On a un sel là qu'on appelle le sel maison hantée. Merci pour tes cadeaux, ma chérie. On a le sel maison hantée. Tu dois acheter ça, tu verses dans ton poulailler là-bas. Oui, quelqu'un peut venir t'acheter le kit déblocage plus plus. Tu es dans quelle ville, Marie? Le piment de Guinée, tu dois manger ça le matin de ce jour où tu vas aller pour l'interview. Et tu dis ce que tu veux. Mais pour les gens qui ont l'interview, là, si tu veux faire même un burn d'attirance, même 3 jours en avance. Contactez-moi en inbox, je ne vais pas vous donner ça ici. Je vais vous donner tous mes choses ici. Là. Je vais vous faire un burn d'attirance. Carole, tu ne connais pas comment faire la libation. Je dis ça ici tout le temps, mamie. Le numéro, c'est le 00237-693-50-2266. 693-50-2266. La majorité des gens qui sont en train de faire leur papier, là, prenez le kit déblocage. Kit déblocage normal seulement. Vous faites ça avec 3 jours de jeûne. Et chacun de ces jours-là, vous faites le chapelet. Et tout ce que vous aimez que d'autres personnes fassent le travail spirituel pour vous, mais vous-même, vous n'aimez pas faire le travail sur vous. Quand on te dit que toi-même, tu vas te mettre. Ah non, moi, il ne veut pas. Je vais te payer, tu fais pour moi. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Au gofa. Il y en a parmi vous, vous travaillez, mais vous n'avez pas les outils. Comme l'a fait de celle-ci. Tu travailles, mais tu ne connaissais pas que tu peux mettre le sel pour te laver avec. Manuel, pour les liens ancestraux, tu dois prendre le kit fondation. Oui, si tu peux faire le jeûne demi-journée, oui. Si tu utilises mes produits, il faut que tu prends. Si tu veux que tu veux changer de maison, prends le tanguy. Tu lis le somme 35 dessus. Tu ton eau tanguy. Tu vas verser ça au milieu de ta maison. Tu vas parler aux esprits de la maison où tu vis. Tu vas dire que tu dois partir de là. Tu leur commandes de te laisser partir. Et tu appelles ta nouvelle maison. Le truc, c'est que vous ne croyez pas à la spiritualité. Ah, donc on s'est dit que je prends l'eau, je bénis l'eau, je parle, ça se passe. Fais seulement. Léonel, j'ai parlé pour le Maroc ici, là. Ok, bon, je vais vous laisser. Je dois aller. Je dois aller me reposer. Oh, aïe, aïe. Somme 35 pour la fille qui veut déménager, là. C'est ça, non, Anna, vous aimez la facilité. Vous aimez les gens qui vont te dire que donne-moi 100 000, je vais tout faire pour toi. Tu t'assois, ça marche chez toi, je fais tout. Fuyez même le genre de choses là. Cause de la route, oh, les permis de conduire, alors c'est grave. Permis de conduire. Benoît, lis ton somme 35 sur le HT26 que tu as acheté. Le prix de quel kit? Pour les étudiants, il y a le kit examen. Donc, je vais vous redonner les numéros. Si vous avez des questions, vous contactez les numéros. 220, pour la Côte d'Ivoire, c'est le 225 0501 490595. 0501 490595 Côte d'Ivoire.
Gabon 0741 ou bien 074, ça c'est le Gabon, 074 18 00 80. Pour le Cameroun, 00237 680 71 0701. Donc 680 71 0701. Voilà. Déclarez-vous l'abondance, que votre chemin soit éclairé. Même si vous traversez n'importe quoi, si vous rentrez dans des cercles où on a prévu de prendre l'énergie des gens, et déclare que ça ne va pas vous affecter. Je déclare que si on a prévu de vous enfermer dans des vortex où on prend plusieurs personnes, je déclare que vous vous échappez de là. Je déclare que si vous marchez dans des rues, je vois souvent, je sais pas pourquoi, mais je vois, il y a des centres commerciaux où vous entrez, c'est comme si on vous prend dans des. On vous ensorcelle carrément. Je vous sors de ces ensorcellements. Je déclare que vous allez dépenser votre argent de façon correcte. Je déclare que vous ne serez pas atteint par la famine. Le fléau de la famine ne vous touchera pas. Je déclare aussi que vous ne serez pas impatient. Que toute personne qui est censée traverser cette semaine, j'ouvre ton nom, j'ouvre. Je déclare qu'on ne va pas manquer ta place dans ce bateau que tu vas traverser au nom de Jésus. Je déclare que les anges vous protègent et vous portent pendant que vous traversez jusqu'à vous arriver à bon port. Je déclare que vos espoirs ne vont pas se couper en route. Je déclare que rien de tout ce que vous avez demandé n'est trop pour le Seigneur. Nothing is too big for God to do for you. Aucune chose que tu as demandé ne sera trop grande. Donc il faut avoir demander avec le courage. Nothing is too big for God. Et des cas que Dieu va faire, comme Paul a dit, excédemment, abondamment, au-delà de ce que tu as même demandé ou pensé, selon ses richesses. Je déclare que tu ne vas pas simplifier Dieu. Et que quand il faudra demander, tu auras le cœur du lion pour demander plus. Je déclare aussi la force sur vous. La force pour ne pas vous fatiguer pendant le travail. Parfois, tu demandes à Dieu, donne-moi. Maintenant, il te donne les clients, tu as la fatigue. Tu as une fatigue bizarre qui te prend. Je déclare que tu ne seras pas fatigué. Tu ne seras pas trop fatigué pour travailler et mériter ton salaire, mériter l'argent que tu as demandé à Dieu. Je déclare que les commandes vont affluer ce mois. Et quand ces commandes vont venir, tu pourras répondre à la demande. Reçois d'autres idées. Au nom de Jésus. Les paiements que tu attendais depuis des semaines, là, reçois cet argent cette semaine. Merci, Leïla. Merci beaucoup. Gopin, gopin. Aïe. Bonne journée à vous.